Oui. J'ai pas encore les 50 millions d'euros qu'à donner. Si tu as ça, là, toi, tu fais quoi? Un jour, quelqu'un a la population. Je peux enlever? Je tire? Oui, mais les bêtes vont me critiquer. Hein. Bah, moi, je vais commencer par dire au micro que c'est vous qui m'avez demandé de retirer. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer pour vous dire que je viens de déposer mon dossier de candidature à l'élection du président de la République d'octobre 2020. Je voudrais dire un très très grand merci à tous les électeurs qui ont accepté de me parrainer. C'est pour moi un motif d'encouragement. Et je les en remercie parce que c'est grâce à eux que je suis ici aujourd'hui. Je voudrais leur dire que nous avions choisi, pour des raisons de stratégie et du poids électoral des régions, de déposer un dossier avec 22 régions sur les 17 requises par la CEI. Dans toutes ces régions, nous avons largement dépassé les 1%. Dépassant parfois même 2% dans certaines régions. Donc je m'en félicite. Et je voudrais dire que nous souhaitons que ces élections soient apaisées, inclusives, justes et transparentes, grâce au dialogue, j'espère, qui va s'instaurer entre maintenant et l'élection, pour que les Ivoiriens continuent à bénéficier de ce climat de paix qui règne dans notre pays. Je voudrais enfin dire à mes concitoyens que je vais maintenant aller vers eux pour échanger, pour les écouter, pour partager avec eux ma vision de la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire en paix, réconciliée et prospère pour tous. Je vous remercie. Monsieur le ministre.